pour moi, l'accès au numérique et aux outils du numérique, pour moi, c'est exister en étant davantage un citoyen aujourd'hui. Bienvenue à l'espace social et culturel L'Ancrage. Nous sommes basés au Tréport, une ville portuaire entre la Normandie et les Hauts-de-France. Nous sommes un centre social, une épicerie solidaire, un lieu d'accueil enfants-parents, un accueil de jeunes et différents agréments autour de la parentalité et de la famille. C'est d'accompagner les habitants, tous les habitants, quel que soit leur âge, pour les rendre à la fois plus autonomes, pour leur donner du pouvoir d'agir, pour leur permettre d'être acteurs de leur vie. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que le numérique nous est apparu comme un outil extrêmement intéressant, puisqu'il s'avérait, en plein premier confinement, à l'occasion de la pandémie de la Covid, de pouvoir nous dire comment est-ce qu'on peut maintenir ce lien social et cette envie de bouger des habitants. Alors Emmaüs Connect nous aide au-delà de la fourniture des ordinateurs reconditionnés en tant que tels, également à travers l'accompagnement que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, mes collègues ont été formés à la vente d'ordinateurs, puisque notre métier n'est pas celui-là au départ. Comment est-ce que ça fonctionne avec le public? Comment est-ce qu'on peut appréhender leurs besoins? Mais également à travers des formations sur comment est-ce que nous pouvons développer notre travail d'inclusion numérique. Ah bah oui, je le recommande à toutes celles qui pourraient le faire. Et en termes de matériel, c'est du matériel fiable et que je peux recommander aussi. J'avais plus d'ordinateur, j'ai bientôt une formation qui démarre langue des signes, qui se fait en distanciel par visio. Là, il fallait absolument que je sois équipée assez vite. En plus, le budget était très 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 bas. Et voilà, je repars avec mon ordinateur, je vais pouvoir faire ma formation, ainsi que plein d'autres démarches dont on a besoin aujourd'hui, on est obligé de passer par Internet, quoi. Donc être équipée chez soi, c'est beaucoup mieux.